Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui sera consacrée à un article vieux geek. J'ai nommé la version, enfin je voulais vous parler d'un vieux jeu basé sur le Build Engine qui a fait fonctionner notre ami Duke Nukem 3D. J'ai nommé Redneck Rampage. Bon, je n'aurais pu récupérer que la version de démonstration, qu'une version alpha avancée. Je suis assez dans le cadre de la légalité et pour trouver une version complète, c'est pas évident. En plus, c'est pas bien. Donc, Redneck Rampage, ça se passe dans le sud des États-Unis, bien profond, avec l'histoire de Booba et Léonard qui doivent retrouver leur truie de compétition Betsy et combattre accessoirement une invasion alien. La démo ne contient en gros que les trois quarts du premier niveau, il y en a 14 en tout, mais vous allez comprendre que c'est du lourd. C'est un peu à l'image de Serious Sam, mais en plus déjanté et beaucoup plus imbibé d'alcool. Donc on est parti, mais déjà rien que les sons de configuration, vous allez comprendre. Donc si on va dans Sound Setup, voilà, on avait aussi un stéréo à l'époque. Donc, comme c'est la version de démonstration, vous pouvez quand même avoir des résolutions assez importantes par sécurité dans un DOSBox, je resterai en 640x480. On pouvait bien sûr utiliser souris et clavier, n'est-ce pas? Là, évidemment, il n'y a pas de. Voilà. C'est des versions alpha, c'est précisé. Un tiers du premier niveau, voilà. C'est quand même pas mal, c'est quand même déjà assez complet. Voilà, donc là on va faire escape et on va lancer le jeu en question. Holy shit! Déjà rien que ça. Voilà, bon. Je laisse un peu la démo pour vous montrer l'ensemble. C'est-à-dire que on peut récupérer un peu de tout pour faire remonter la vie, même de l'alcool. Mais par contre, si on monte trop haut, on a notre petit alcoolomètre qui nous dit attention, on est un peu limite. Il y a aussi les moustiques qui nous attaquent, les bons gros moustiques. Oula! Et les sons de chargeur, enfin les sons de d'options. N'est-ce pas? C'est très parlant. Là, on pouvait régler le niveau de détail, bien sûr. On pouvait aussi activer le verrouillage parental. On va regarder le mode adulte pour avoir quand même l'ensemble au maximum. Et comme j'ai envie de montrer pas mal de trucs, je vais rester en mode Wuth. Donc là, on va se tirer un moment. Donc là, on va aller par là. Là, on peut récupérer des réserves. Par exemple, un pack de bière. Thank you.
peut aussi buter les moustiques, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais essayer de trouver un endroit qui est suffisamment... Tiens. Je vais pas me faire écraser par lui. Alors là, je suis déjà allé. Non, pas encore. Donc là, on va... Normalement, par là, il y a un petit secret. Comme je montrais. Donc là, normalement, il y a les deux frères, un ou deux frères qui nous attendent. Attention. Là, on va faire. Tiens, on va manger un peu. Ça fera du bien. On va changer d'arme. Voilà. Ah oui, l'arme par défaut, c'est le pied de biche. Très marrant. Bien sûr, si on appuie sur entrée, que ce soit espace. Donc, on va essayer. On va faire. Et maintenant, on peut monter le niveau de santé avec l'alcool. Et petit à petit, la barre d'alcool monte. Non, faut quand même pas d'abuser, quoi. Je vais voir si je peux aller par là. Non, apparemment, par là, je peux pas. Non, apparemment, c'est la limite de la démo. Vous voyez quand même, c'est très rustique. Hein. Alors, peut-être qu'on diminue un peu. Alors, où j'en suis. Il n'y a pas grand chose que je puisse visiter. Ah, peut-être en retournant par là-bas. Alors, peut-être par là. Vous voyez quand même le niveau très recherché de l'ensemble. Parfois aussi, le personnage pète. Alors. Ok. Donc, on va essayer de voir par là si on peut aller plus loin. Peut-être que c'est encore un cul de sac. Les moustiques sont très petits. Normal, c'est le sud après tout. Alors là... Par contre, je vous conseille de lâcher rapidement. Et voilà. Sinon, on se fait exploser. Ok, j'aurais pas dû. Non, vous voyez, c'est quand même un jeu qui était très fin. C'est fin, très fin, ça se mange sans fin, comme disaient les Pères Noël dans le Père Noël est une ordure. Voilà, je voulais quand même vous le montrer. Holy shit! Ce n'est que la démo, je n'ai pas la version complète, malheureusement. C'est vrai que c'était assez développé. Bien sûr, la démo n'était pas super développée, mais ça permettait déjà de voir l'ensemble en action. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a bien fait rire, parce que moi, j'ai pris quand même du plaisir à la faire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis ciao, à la prochaine.